Une belle histoire en France maintenant avec le chien Narco qui prend sa retraite. Oui, Narco qui, comme son nom l'indique, est un chien gendarme, oui. Ou plutôt était, car il vient de prendre une retraite bien méritée après plus de 10 années de service au sein du groupe d'investigation cynophile de la gendarmerie du Gard. Les gendarmes gardois ont partagé sur Facebook les plus beaux faits d'armes de Narco, spécialisé dans la recherche de stupéfiants et de billets. Narco, c'est donc plus de 1000 missions au compteur, la découverte de plusieurs centaines de kilogrammes de produits stupéfiants, la saisie de près de 4 millions d'euros d'argent sale au cours de sa carrière. Une carrière couronnée d'une médaille de bronze de la Défense nationale quand même. Et pour ses vieux jours, il ne sera pas trop dépaysé puisqu'il va rester vivre chez son maître actuel, tranquillement. Dans le Gard. Dans le Gard, évidemment. Une retraite dans le Gard bien méritée.